Aller à la table du Seigneur. Tu auras une table là où tu as quelques places. Sur lesquelles repose le repas du Seigneur dans la parole de Dieu. Nous savons que quand on parle du repas du Seigneur, c'est le repas propre au Seigneur. Qui qualifie et caractérise le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, si nous prenons le repas du Seigneur, nous sommes en train de manger c'est-à-dire la nourriture du Seigneur. Nous sommes en train de recevoir l'image du Seigneur. Nous sommes en train de recevoir toutes les vitamines qui composent le Seigneur Jésus. Et nous devons savoir que le repas du Seigneur est une doctrine très importante. Toutes les églises de Jésus-Christ doivent pratiquer le repas du Seigneur comme une doctrine et doivent la consommer comme une nourriture. Jésus. Et nous savons que nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Nous sommes sous l'ordre de Melchisedec. Nous sommes dans la lignée où l'ordre de Melchisedec. Et selon cet ordre, oui, Jésus-Christ est le roi. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus. Et avant toute chose, avant la loi, puisque tout ce qui se passait au temps de la loi n'est passé. Si le sacerdoce soit lévitique, les principes selon l'ordre de Aaron. Aaron, si c'est selon la loi que Moïse avait donnée. C'est de Moïse, exactement. Or, nous ne sommes pas sous la loi. Jésus-Christ est venu accomplir la loi une fois pour toutes. Jésus va avoir fait sa vie. Mais il y avait un temps avant la loi. Le Seigneur avait institué. Les prémices du repas du Seigneur. D'abord, même dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie symbolisait déjà le repas. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de la vie éternelle. Et le repas du Seigneur accorde aussi la vie éternelle. Et le Seigneur interdisait à Adam. Il disait, vous pouvez manger tous les fruits, les arbres qui sont dans le jardin. Vous pouvez même manger l'arbre de la vie. Mais l'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Parce que lorsque vous allez manger, vous serez la bouche mourée. S'il mangeait simplement l'arbre de la vie, il vivra toujours éternellement. Alors nous voyons déjà au jardin. L'arbre qui était planté était déjà symbole du repas. C'est dans Genèse 2. Maintenant, après ce temps, à cause du péché de l'homme, le Seigneur a fait des promesses. Le Seigneur a fait des alliances. Pour que nous puissions vivre éternellement. Jésus. Et d'abord, il a aussi apporté le repas du Seigneur. Aussi à Abraham. Abraham qui s'appelait Abraham. Lorsqu'il avait combattu et avait eu la victoire sur ses adversaires. Gloire à Jésus. Le Seigneur l'a apporté son repas. Gloire à Jésus. Allons-y dans Genèse 14, le verset 18.
Genèse 14, verset 18. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui. Genèse chapitre 14, verset 18. Mais Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Mais Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et roi Salem, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Mais Melchizedek a apporté le pain et le vin à qui? Mais Abraham. Alléluia. Alléluia. Et ce pain et le vin, au pain et le pain, sont les prémices de la nouvelle alliance. Qui sera tissée par Jésus. Dans ce temps, l'alliance de la loi n'était pas encore tissée. Mais c'est un roi et aussi un sacrificateur. Cela était une prémisse, des prémices plutôt. L'œuvre que Jésus est venu accomplir. Parce que Jésus-Christ est le roi de paix et aussi le souverain sacrificateur. Jésus a reçu au FIFA ton corps. Donc, pour que ce repas soit effectivement institué, le Seigneur a déjà utilisé cette image, ce précepte, comme prémisse, comme commencement du repas du Seigneur, dans l'alliance qu'il avait tissée avec les hommes. Commençant par Abraham. Nous pensons Abraham dit gloire à Jésus. Qui connaît Jésus. Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchizedek, roi de Salem, et c'est pain et vin. Sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il prenait Abraham et dit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc cette période était avant la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la grâce. Est-ce que vous comprenez? Et avant, Melchizedek étant roi et sacrificateur, c'était qu'il y a le sacerdoce royal depuis le temps d'Abraham. Alléluia. Alléluia. C'était le sacerdoce royal depuis le temps d'Abraham, avant la loi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, ce qui s'est passé après la venue de Jésus-Christ, était juste l'accomplissement de ce que tu avais établi premièrement comme prémisse. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, le pain et le vin symbolisaient. Oh, fondement de l'alliance que Dieu a tissé avec la sang avant la loi. Et c'est par cette alliance de paix et du vin, c'est par ce repas que Dieu a opéré dans tous les temps jusqu'au temps où Jésus était à la croix. À chaque temps, circonstance, le repas changeant de forme. Et nous voulons dire c'était le pain et le vin directement. Là, il peut encore faire quoi? Avant la loi. Avant. Melchizedek qui a apporté cela. Et bien, c'est ça, le Hébreux 7 nous dit. Hébreux 6 au moment d'or. Jésus-Christ est à l'image de Melchizedek. Bon, Jésus est apparté, mais c'est venu selon l'ordre de Melchizedek. Oh, Jésus est où? Bon, Melchizedek sont allés. Ah, nous savons que clairement que lorsque Jésus était venu sur la terre, Jésus a il a accompli toute la loi et a restauré son alliance par son sang. Alliance, il a aussi institué le même repas. L'ordre de Melchizedek. Bon, c'était Melchizedek qui avait apporté le pain. Melchizedek sera laissé peu en confiance pour aller. Le repas du Seigneur s'opérait depuis même avant. Donc, nous, maltons et qu'on veut d'ailleurs. C'est important. Melchizedek le faisait là, apporter Abraham le pain et le vin. Mais est-ce qu'on peut envoyer Abraham pour faire pour voir à Jésus? Gloire à Jésus. C'est important de savoir ces choses. Et une telle palaque, avant que nous puissions aller à la table. Et après cela, il y a aussi des fêtes qui se sont déroulées après. On voit ce qu'on a des goûts de le repas du Seigneur aussi dans le temps de la loi. Dans le temps de Moïse, au temps de Moïse, Moïse était une figure non encore
la réalité. Au temps de Moïse, le repas du Seigneur était deux, en deux. Moïse quand nous avons Exode 12. Quand nous avons dans Exode 12, verset 21, nous allons comprendre le repas du Seigneur qui était une figure dans la loi. N'était pas encore en la réalité. Madame, nous demandons que dans tous les temps, Dieu le répare. Au jardin dès le commencement, c'était l'arbre de vie. Au temps d'Abraham, c'était le pain et le vin. Mais si c'était avait apporté Abraham et béni Abraham, progéniture. Notre bien. Et au temps de la loi, nous allons comprendre comment le repas du Seigneur était une figure. Où Jésus-Christ est venu mettre en place le fondement même du repas. Là, au temps de Jésus, avoir basé ton don, nous sommes terre. Voilà, Jésus, est-ce que tu as Exode chapitre 12, verset 21. Oui. Exode chapitre 12, verset 21. Oui. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Oui. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Gloire à Jésus. Donc dans le temps de Moïse, Moïse le temps du Seigneur était comme un agneau qui a été recommandé pour être immolé. Et cet agneau devait être mangé. Et l'agneau était la Pâque des enfants d'Israël. Qui était dans le bassin était le sang de l'agneau qui avait été immolé. Et ce sang devait être aspergé sur tous les lintons des portes des enfants d'Israël. Et ce sang qui était aspergé était le sang qui marquait l'alliance que tu avais tissée avec Moïse. L'agneau qui était la Pâque devait être mangé. Nous voyons ici l'aspersion du sang et la consommation de l'animal immolé qui était la Pâque. Tout cela préfigurait la vraie Pâque que Jésus est venu instituer. C'était dans la loi, c'est-à-dire les choses qui se passaient dans la loi n'étaient pas les simples représentations. Mais c'était juste des ombres, des figures. Mais qui annonçaient ce que Dieu viendra faire après. Et nous avons compris que même avant la loi, c'est à cause du péché que le Seigneur a changé de formule. Moïse a libéré le peuple de l'esclavage, accordé la délivrance au peuple, et après venu par Jésus pour pouvoir mourir à la croix. Permettre à tout homme la fille de qu'il avait institué en mettant dans le jardin l'arbre de la vie. Allons-y dans Esdras 6, verset 20 à 21. Vous allez comprendre que le repas du Seigneur était à l'origine de tout. Avant la loi. Et pendant la loi. Gloire à Jésus. Esdras chapitre 6, verset 20 à 21. Oui. Les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de ce concept. Tous étaient purs. Ils immolaient la Pâque pour tous les fils de la captivité. Pour leurs frères
les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangeaient la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impurité des nations du pays. Donc les enfants d'Israël faisaient quoi? Oh, vous avez ils s'immolaient l'agneau qui était la Pâque. Non seulement ils s'immolaient l'agneau, mais ils mangeaient la Pâque. Et la Pâque, c'est qui? C'est quoi la Pâque? L'agneau. Il était immolé. Et il mangeait cette Pâque. Mais on ne pas Pâque. Cela était en train de préfigurer l'offrande du corps de Jésus à la croix. Le corps de Jésus devait être humilié, frappé. Offert comme sacrifice. De la même manière que l'agneau avait été sacrifié, le corps de Jésus a été sacrifié par son mort. Et le sang qui sort du sacrifice de l'agneau, c'est le sang qui aspergeait tous ceux qui venaient pour avoir l'expiation de la loi, de leur péché dans le temps de la loi. Par Jésus, quand on dit aspersion, c'est comme une fusion. Voilà. On met de. C'est comme l'aspersion d'eau. La personne n'est pas plongée, mais. La fusion de l'eau sur donc, l'aspersion était faite fait sur les linteaux. Donc, ils ont et tous ceux qui venaient aussi devaient asperger l'agneau, mais d'autres animaux aussi étaient sacrifiés. Servis par les sacrificateurs pour les rituels. Bon, faut attendre un peu, mon coton. Par Jésus, pour un dessous. Alléluia. Alléluia. Oh, dans Hébreux, la Bible dit le sang des agneaux. Oh, oui, bon, moi, libéré du péché. Eh bien, regarde, tout maintenant, il y a un domaine. C'est l'infusion du sang de Jésus. Mais, oh, oui, Jésus, ton, qui accorde la purification. Oh, non, mais oui. Voilà, Jésus. Donc, nous sommes en train de voir que Pâques était l'agneau qui devait marquer la délivrance d'Israël en Égypte. Depuis que l'agneau avait été immolé jusqu'au temps de la loi. Cet agneau est immolé. Maintenant, après la délivrance, lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte pour entrer dans le désert. Gloire à Jésus. Il y avait aussi le repas du Seigneur pendant le désert. Gloire à Jésus. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Oui. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Mm-hmm. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Gloire à Jésus. Même pendant le désert, il y avait encore le repas du Seigneur. Et le Seigneur accordait de la nourriture à manger. Et quelle était cette nourriture? C'est un aliment spirituel. Et cet aliment spirituel, c'était la manne. Physiquement, était la manne. Or, cela préfigurait le corps de Christ, mais la pâte de vie que nous devons consommer pour avoir la vie éternelle. Donc, chaque fois, le Seigneur, il se plaît la grâce de Dieu, le Seigneur a envoyé l'aliment. Et le sang, ce qui symbolisait le sang, c'était l'eau qui sortait du rocher. C'était la vie pour les enfants d'Israël. Dieu leur donnait la nourriture. De la même manière qu'il faisait il avait fait dans le jardin. En donnant de la nourriture à Adam
Et Ève, et nous, attends, elle dit à Adam et Ève pour consommer l'arbre de la connaissance. De la même manière qu'il avait donné du pain et du vin à Abraham. De la même manière qu'il avait donné l'agneau de la Pâque, c'est-à-dire l'agneau pour être immolé et mangé. C'est de cette même manière qu'au désert, il les avait donné l'aliment spirituel qui était physique. Et cet aliment était la manne qui tombait. Et cette boisson qu'il buvait dans le désert, c'était l'eau qui sortait du rocher. C'était un breuvage spirituel. Et ce breuvage spirituel était l'image, c'est-à-dire le sang de Jésus qui sortait comme une eau du rocher. Et tout cela avant la grâce. Donc nous savons que le repos du Seigneur avait commencé depuis Genèse. Dans la loi. Car il y a gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cela était seulement des préfigurations, des images. On nous a dit, il n'y a pas de l'air. Du véritable repas. Nous. Parce que tout cela était juste, comme je l'ai dit, des images. Nous l'avons dit, il y a pas de l'air. Dans ce corps. Ce qui veut dire que l'arbre de la vie. On nous battons. Était physique. En réalité, c'était quelqu'un qui devait incorporer ou bien matérialiser. C'est le but de ce cadre. L'âme de la vie, dans la pensée de Dieu, était de rendre l'homme éternel. Jésus-Christ est venu. Et lui-même, cet arbre de vie, est un fruit digne de repentance, sainteté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Jésus-Christ lui-même est le pain qui descend du ciel. Et lui-même est le vin. Melchisédek avait donné à Abraham. Jésus-Christ lui-même, par la grâce, est lui-même l'agneau par excellence, l'agneau parfait qui a été humilié, frappé, sacrifié. On a dit que ces choses étaient l'ombre des choses à venir, dont le corps est en Christ. Ce qui veut dire que tous ceux qui étaient préfigurés comme étaient juste des représentations qui n'étaient pas exactes, étaient des ombres, n'étaient pas encore les réalités, étaient des figures, n'étaient pas encore le corps lui-même. Mais le corps lui-même qui représente tout cela, l'arbre de vie, qui représente le pain et le vin, qui représente l'agneau, l'aspersion du sang, qui représente lui-même la manne. Qui représente le prévat spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, le repas du Seigneur a été institué par Jésus. Et cette nourriture du repas du Seigneur, la nourriture solide, gloire à Jésus, composée de l'aliment spirituel plus du prévat spirituel. Donc le repas que nous voulons consommer maintenant, c'est la communion de deux types de repas, de deux types de nourriture. La boisson qui est le vin et aussi le pain. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Tout cela existait même avant la mort de Jésus. Donc ça montre que le repas du Seigneur n'a pas démarré au temps où Jésus avait appelé les disciples à la table pour pouvoir les parler de sa mort ou les parler du repas. Le repas du Seigneur a commencé depuis le jardin d'Éden avec Abraham après. Le repas du Seigneur continue avec les enfants d'Israël au temps de la loi aussi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus lui-même a institué ce repas. Pour montrer que tout cela était l'ombre des choses à venir. Dans le corps est en Christ. Disons Marc 14, verset 22. Nous allons voir le repas du Seigneur institué par Jésus. Marc 14, verset 22.
Marc chapitre 14, verset 22. Mmh. Au 25. 22 à 25. Mmh. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Mmh. Et le leur donna en disant, « Prenez ceci, est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna et il en buvait tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Gloire à Jésus. Jésus est en train d'instituer le repas du Seigneur. Gloire à Jésus. Et nous venons de comprendre que Jésus a institué ce repas en montrant que le pain symbolise le corps. Le corps qu'il a livré pour nous à la croix. Et la coupe. Était en train de symboliser le sang de la nouvelle alliance. Gloire à Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Donc Jésus est en train de montrer que ce que Abraham avait reçu était juste une figure ou bien une des prémices pour l'œuvre de la croix. Et après, il est allé à la croix et il a été sacrifié comme l'agneau immolé. Étant donné qu'il était à la croix, le sang qu'il a versé est devenu le symbole de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était basée sur le sang de l'agneau. Tu es pas Moïse. Moïse, c'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1:17 que la loi était donnée par Moïse. La grâce et la vérité ont été données par Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi le repas du Seigneur est très important. Le repas du Seigneur est une doctrine très fondamentale. Et une obligation pour tous les chrétiens. Adam et Ève avaient reçu là pour la vie dans le jardin. Cela est important que Dieu donne une nourriture à sa créature. Une nourriture qui nous accorde la vie éternelle. Cela aussi important du fait qu'il avait manifesté cette nourriture pour Abraham et aussi les enfants d'Israël. Et pour que lui-même est venu à la croix. La matérialisation de tout ce projet spirituel depuis les temps. Gloire à Jésus. Nous comprenons déjà par là que c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de nous approcher de la table pour pouvoir consommer ce repas. Prenant le repas du Seigneur, en prenant le pain physique qui symbolise le corps de la parole de Dieu qui est descendue du ciel, Dieu est passé en chair. En prenant cela, nous sommes en train d'établir une communion. Je sais que cela est établi une communion avec nous. Le sang, le vin qui symbolise le sang de Jésus, le vin que nous buvons devient une preuve spirituelle qui nous purifie, qui nous justifie et qui nous vivifie et qui nous permet d'être aussi héritiers de toutes les bénédictions que tu avais fait. Le repas du Seigneur est très important. Il n'y a pas de rituel pour le repas du Seigneur. Pas au temps de la loi. C'est juste prendre un pain et le vin pour matérialiser juste ce qui était spirituel pour pouvoir nous approcher de cette table. Et lorsque nous le faisons physiquement, ça renforce notre communion fraternelle. Et spirituellement, ça nous permet de grandir spirituellement. Ça nous permet d'être riche, spirituellement riche. Ça nous permet de consommer la nourriture solide. Et ça nous permet aussi de demeurer dans la méditation
que la parole la vie de purification. Et pour nous approcher de cette table, nous devons avoir le cœur purifié. Des œuvres mortes. Le sang de Jésus, pas un esprit éternel, vous purifiera. Par ce repas, nous serons en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur prépare pour nous encore le repas. Après le repas du Seigneur que nous prenons aujourd'hui, il prépare encore pour nous un repas après notre parcours sur la terre. Et ce repas, repas sur la table des noces. Mais nous ne pouvons pas participer à ce repas céleste. Ça ne prend pas à ce que celui que le Seigneur a institué. Il disait, faites cela en mémoire de moi. Tous les jours, souvenez-vous de moi, le œuvre de la croix. Nous, et afin que cette œuvre se manifeste dans notre vie, nous consommons ce repas pour agrandir notre sanctification. Nous devons toujours être prêts à participer à la table. Et la Bible dit, nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ce qui veut dire, nous devons conserver ces prêts. Parce que la Bible dit, les lâches, les incrédules, les pécheurs, pourront hériter le royaume. Pourront aller vers Jérusalem. Tous ceux qui se souillent ne peuvent entrer. Mais nous devons nous approcher de cette table avec une conscience pure, avec une intelligence renouvelée. C'est pourquoi le thème de ce jour, il a préparé spirituellement. Et si nous prenons ce repas, nous devons marcher en nouveauté de vie. Le repas du Seigneur est devenu encore pire qu'avant. Perfectionner notre vie. Et les conditions pour penser pas sont de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Vous avez reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Oui, la repentance sincère. Vous devez aussi être baptisé au nom de Jésus. Un saint d'entrée. Et vous allez dans l'assemblée, Jésus revient. Vous avez été baptisé au nom de Jésus. Donc, vous devez participer à la table du Seigneur. Celui qui n'est pas encore baptisé ne doit pas venir à la table. Parce que la table est réservée pour ceux qui sont déjà au Seigneur. Enfant de Dieu. Les gens vont se préparer pour les prochaines fois. Aussi, si ta conscience te dit, ne pas s'approcher de la table. C'est quoi table? C'est t'abstenir. Mais la volonté de Dieu, que tous viennent à la table. C'est l'occasion pour nous de rétablir notre communion avec le Saint-Esprit. De revenir à notre premier amour. Et d'avoir une vie sainte. Une vie purifiée de tout sort de péché. Jésus. Et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, pour pratiquer la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, l'homme de Dieu vous a déjà passé par la repentance. Et nous allons nous lever et te demander au chantre de nous donner un chant pour nous accompagner. Et nous allons prier. Les hommes de Dieu vont prier sur la table du Seigneur. Gloire à Jésus. Et nous allons aller à la table du Seigneur sans crainte. Avec liberté. Avec transparence. Gloire à Jésus. En donnant un chant, nous allons prier sur la table. Et nous allons passer, les hommes de Dieu vont passer, les membres de l'église vont passer, et après les chants vont passer. Gloire à Jésus, pour grand Dieu. Nous invitons les serviteurs d'approcher la table. J'ai témoigné, si j'oubliais. Les hommes de Dieu vont s'approcher pour nous prier sur le pain et sur le vin. Sachant que ce pain symbolise le corps de Christ. Et ce fait symbolise le sang de Jésus. Et ce pain est à la parole de vie. Nous allons inviter les hommes de Dieu pour la prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur Jésus pour ce jour. Nous nous rappelons de l'œuf de la croix.
appelé de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous voulons réclamer notre union avec toi. Seigneur Jésus, nous voulons poser le pas. Je prie maintenant que le fait qui est ici présent, le fait non accordé, que ce fait, oui, soit effectivement son sang, ton sang, que ce fait soit spirituellement le sang que tu as versé à la croix. Que, Seigneur Jésus, oui, Seigneur, le Père, soit effectivement le corps que tu as livré pour nous. Je prie de sanctifier ce repas, de purifier ce repas, et que dès que chacun prendra ce repas, que ce repas transforme notre vie, que ce repas libère notre esprit. Et lorsque chacun prendra ce repas, que les dons du Saint-Esprit qui étaient morts reviennent à la vie. Seigneur, nous voulons prendre ce repas. Nous voulons maintenant aller en dimension nouvelle avec toi. Seigneur, sanctifie tout le monde. Au nom de Jésus, nous allons prier. Les gens ne continuent pas à chanter, nous allons. Les hommes de Dieu vont commencer à prier. Les membres. Saint-Esprit. Bah, c'est pourquoi prie et dis Seigneur merci.
Et merci Seigneur Jésus pour ce repas. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce repas. Merci nouveau là. Que tu m'adresses. Viens me sanctifier. Pour restaurer ma vie. Pour restaurer mon âme. Demande au Seigneur de te sanctifier davantage. De t'accorder une vie de prière. Ni non, oh, ouais. Renouveler ta vie de sainteté. Ni non, oh, ouais. Ta vie de consécration. Oh, ouais. Ta vie de méditation. Oh, ouais. Ta vie d'évangélisation. Oh, ouais. Ta vie de prière. Demande au Seigneur. De te purifier. Que le sang que tu as pris soit le sang de Jésus qui a été versé pour toi, pour te purifier, pour te laver, pour te sanctifier, et que le Saint-Esprit lui-même te batte par ce repas. Tu vas tendre les mains vers le Seigneur et tu vas dire: Seigneur, par ce repas, équipe-moi des dons spirituels, des dons qui étaient morts dans ma vie, pour les dons qui étaient morts en moi. Que ces dons se réveillent, Seigneur. Que ces dons se réveillent. Que le Saint-Esprit active ces dons. Que le Saint-Esprit active. Oui, ces dons qui étaient. Ils sont cachés depuis. Parce au renouvellement du Saint-Esprit. Parce que tu n'es plus esclave du péché. Et que le Seigneur t'a sanctifié. Et que ce matin, tu es prêt à vivre encore une vie pure pour le ciel. Demande au Seigneur de t'équiper davantage. De t'équiper de la parole de sagesse. De la parole de connaissance. De la parole, oui, de Dieu. Qui t'équipe du discernement des esprits. Qui t'accorde la prophétie. Qui t'accorde la puissance. Pour que tu sois utile pour son œuvre. Qui que ta flamme sont allumés. Que ta lampe soit allumée. Prie et demande au Seigneur d'allumer devant ta lampe. Seigneur, voici des enfants qui ont participé à ce repas. Ou à ce repas, oui, que tu as institué depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce repas que nous avons consommé jusqu'à aujourd'hui. Seigneur Jésus, je prie maintenant que nous, tes enfants, nous puissions bénéficier des bénéfices liés à ce repas. Que chacun de nous, oui, retrouve les dons qui lui a été volé, les dons qui étaient cachés, les dons qui étaient morts, se reviennent. Que par ce repas, nous soyons en communion avec le Saint-Esprit, en communion, en relation avec le Saint-Esprit. Et que ce repas ne soit pas seulement un repas physique, mais que ce repas joue un rôle spirituel dans nos vies, pour notre affermissement. Seigneur Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Merci d'avoir justifié ton peuple. Merci d'avoir sanctifié tes enfants. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre et qui n'ont pas encore eu le baptême au nom de Jésus. Seigneur, convainc-les. Je prie maintenant de les aider dans leur processus de repentance et de baptême afin que désormais qu'ils soient aptes à prendre ce repas. Seigneur, tous ceux qui n'ont pas pris et qui ont leur conscience souillée à cause d'un péché quelconque, Seigneur, lave-les. Sanctifie chacun d'eux pour que nous soyons tous prêts pour le retour de Jésus. Que nous soyons nos lampes allumées et que nous ne manquons point d'huile dans nos vases. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ce moment soit un moment de joie, un moment de joie, un moment de force, de puissance, de louange, parce que tu es notre Pâque, tu es Christ, notre Pâque immolé, et tu es notre repas que nous consommons. Et nous te consommerons toujours jusqu'à ton retour, par la foi, par la sanctification. C'est pourquoi vivifie notre vie, vivifie notre âme, vivifie notre esprit, vivifie, régénère notre âme, tous les sens de notre vie, afin que nous soyons vraiment des fidèles, des disciples déterminés dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus.